Retour sur notre plateau ici en live des Olympiades des métiers à Bordeaux-Lac. Ravi toujours d'être avec toi Théo mais pour ouais, faire vivre ces Olympiades à celles et ceux qui nous regardent. Ah là là, on passe un moment assez incroyable, il y a tous les métiers, plein de témoignages de jeunes aussi qui sont là, des étoiles dans les yeux de tout le monde j'ai envie de dire. C'est vraiment le premier jour de ces trois jours est déjà incroyable. Et on a des cadeaux, regardez, on a des petits badges aussi parce que ici et tout de suite on va parler de Terre Aventura et vous le voyez on n'est pas tous seuls d'ailleurs sur le plateau. À ma droite il y a Aurélie Loubès. Exactement, directrice générale du comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Comment ça va Aurélie ? Et ça va super, merci. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. Christophe, est-ce qu'il est encore utile de vous présenter, Christophe ? Écoutez, vous êtes gentil, mais il faut passer. Vous savez, la pédagogie, c'est la répétition. Et puis, je passe mal à la télé. Il faut y venir souvent pour que ça traîne. Et on s'oriente justement avec vous, directeur de l'orientation. Merci. Christophe Grosjean, qui nous fait le plaisir une nouvelle fois. Vous avez débuté la journée avec nous et vous allez la clore. C'est beau. Merci beaucoup, en tout cas, de l'accueil à chaque fois. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir. Et à ma gauche, et à notre gauche, il y a Sophie Marnier, chef de projet. Bonjour. Terra Aventura. Bonjour Sophie, qui a un... Il y a combien de badges sur votre t-shirt ? Vous n'avez pas compté ? J'ai pas compté, mais je pense une quinzaine à peu près. Ouais, on a pas mal de fans, en fait. Hein. Ok, d'accord. Et justement, on va parler de Terra Aventura. Vous allez nous en parler. On a des... Voilà, moi, j'ai une map aussi qui est là. Je vais essayer de bien l'orienter pour pas qu'elle reflète. Une map avec plein d'informations. Sophie, c'est quoi Terra Aventura ? Ah, c'est magique. C'est magique. Ouais, c'est une chasse merci, très belle merci, soirée à merci tous. Sophie. On rend l'antenne. Mais vous pouvez interviewer plein de terra-aventuriers, ils vous diront la même chose, c'est magique. Donc en fait, c'est une application mobile gratuite, téléchargeable sur son smartphone. Et on va découvrir des parcours terra-aventura, soit à pied, soit à vélo. Et on va découvrir la Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est notre mission. Et vous allez découvrir des patrimoines insolites. Et sur les Olympiades, on a fait quelque chose d'un petit peu différent. Ça nous tient à cœur parce que c'est les savoir-faire, donc on a fait découvrir des métiers. C'est la découverte d'un tout autre territoire, grande première d'ailleurs Aurélien, pour Terra Aventura de venir sur un événement. Exactement, ici on applique notre savoir-faire de découverte, d'habitude c'est à l'extérieur pour découvrir tout le patrimoine de la Nouvelle-Aquitaine, et ici c'est le même savoir-faire mais pour faire découvrir des métiers, pour accompagner les jeunes et les moins jeunes dans des parcours, 5 parcours thématiques. Sur chaque parcours d'environ une heure, vous avez six étapes, six énigmes, et qui vous permet d'avoir le Graal, donc le poise, à la fin. Et c'est voilà. Collector, ça, hein, 10 ans. C'est l'idée, après la découverte du patrimoine, c'est la découverte des métiers pour aider nos jeunes dans leur orientation. Et ce projet, vous l'avez imaginé comment, en se disant, comme c'est la première fois sur un événement, d'où vient l'idée et comment on adapte ça aussi à un événement, c'est qui est intéressant. On va vous raconter l'histoire à deux voix et je remercie Aurélie Loupe de sa présence et du soutien sur ce projet qui ne sera rien sans vous, bien sûr, mais aussi sur la décision d'Aurélie. Moi, je voudrais simplement déjà signaler que je n'ai pas le collector, donc je vais bientôt quitter le plateau. Je me déplace. Il faut respecter les hiérarchies des normes. Merci, c'est, non, c'est super, sympa. Vous voyez, non. Il suffit de venir sur le plateau et tout peut s'arranger. Voilà, tout à fait, merci. Non, simplement, l'histoire, elle est assez simple. Elle est vraiment par rapport à tout ce que vous avez vécu ce matin sur la Web TV et puis sur le site. C'est de se poser la question comment on pouvait être le plus utile, le plus accessible en fonction de... Tous les gens qui allaient venir, puisqu'on avait une approche grand public. Grand public, ça ne veut rien dire, c'est la somme de tout le monde. Et c'était de dire à un moment comment on fait pour. Alors ceux qui sont très tonneliers dans l'âme, ils y vont pour la tonnellerie. Enfin, y a pas... Mais pour ceux qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, comment on rend ça visible avec un itinéraire sympa avec la logique du jeu, avec des récompenses, la gamification, enfin il y a des choses bizarres qu'on dit en anglais. Et comment on met un petit peu de plus sur cette logique d'en faire ce grand salon des métiers dans lequel on arrive à rentrer sans mode d'emploi, sans intuition, mais uniquement en se laissant aller. Alors, il y a des promenades de visite avec des guides qui accompagnent des groupes, et puis il y a cette logique à travers une appli qui est quand même maintenant, on aura de l'arthrose très très vieux, mais voilà, on a tous une appli sous le coude, et celle-là, elle a fait ses preuves dans le tourisme, et de ce point de vue, on a interrogé, et c'est Damien Moncassin qui l'a fait, on a interrogé les équipes, puis on s'est parlé au niveau des directions, en se disant, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire ? Est-ce qu'on ne peut pas dériver ? C'est ce que madame a su faire. La technologie et l'adapter à ce qui va se passer là. Est-ce que demain, il n'y a pas une porte ouverte à tester sur une manière de faire l'orientation aussi dans le territoire ? Donc, il y a cette idée, puis on a dit, ben, chiche, et je crois qu'on a bien fait de le faire. Paris tenu. Grande aventure, on est vraiment très très contents parce que ça allie nos deux structures et vraiment nos savoir-faire, l'ambition commune auprès des jeunes. Et notre apport, il est double. C'est toute la gamification, la marque Terra Aventura, le savoir-faire qu'on peut avoir pour faire découvrir des portraits. Exactement, c'est très simple. Hein. Vous pouvez télécharger l'application. Si jamais il y a un souci sur l'application, il y a un site mobile
Et ensuite, vous êtes complètement guidé pour choisir les parcours. Ça, vous allez d'étape en étape. C'est complètement intuitif. Quand je les vois, j'ai l'impression qu'on est sur Pékin Express. C'est vrai, il y a les caméras qui les suivent, il y a le sac à dos. Dépêche-toi, Pékin Express, c'est rien à côté de TerraVentura. Là, on est sur la plus belle chasse au trésor du monde. D'ailleurs, TerraVentura est la formation pour Pékin Express. Exactement. Effectivement. C'est hyper intéressant, justement, de mettre quelque chose de ludique, Sophie, parce que c'est aussi, parfois, quand on arrive ici au Parc des Expos, on sait que c'est énorme quand même, c'est colossal la structure qu'il y a ici. Puis ça permet tout simplement de s'y retrouver aussi, d'être vraiment un peu moins perdu dans ce amas d'informations. Complètement. Puis là, on a vu beaucoup de collégiens depuis ce matin qui ne connaissaient pas TerraVentura, qui ont téléchargé l'appli. Et du coup, ça leur a vraiment permis de découvrir des métiers qu'ils n'avaient pas imaginés. Et c'est vraiment la mission que nous avait confiée Damien Moncassin, de nous dire, bon, il faut vraiment qu'on trouve un système pour leur faire découvrir le métier de saulier que j'ai découvert moi-même. Et je le remercie parce que c'est vraiment un chouette personnage, le saulier des Olympiades. Et c'est vrai qu'il y a plein de jeunes en fait, qui ont découvert des métiers incroyables et qui nous disaient, bah, en fait, oui, j'ai trouvé mon orientation. Super, on a rempli notre mission, on était contents. Paris tenu, Christophe, justement, notre plus beau cadeau. C'est très important aussi, on voit par rapport à l'adaptation du public qu'il y a, on voit qu'il y a des parcours, on a vu tout à l'heure des guides, on en a interrogé et reçu aussi sur notre plateau. Il y a aussi cette possibilité avec l'application TerraVentura, il y a aussi la possibilité tout simplement nous-mêmes de venir et de faire notre parcours. C'est important aussi d'accompagner les gens qui viennent et de leur proposer différentes solutions. Oui, on est sur un vrai problème de fond dans notre société, on sort de la Covid. S'orienter, ça a toujours été un problème. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Enfin, c'est toujours une question un peu... Il y a une pression autour de cette question énorme, qui est immense. C'est énorme. Une pression familiale, de société. Il y a eu en plus beaucoup de dérégulations du fait de la Covid et puis la crise qu'on a aujourd'hui au niveau international. L'idée, c'est de dire s'orienter, c'est ni plus ni moins que de réfléchir, que ça peut être aussi sympa que d'avoir des portes ouvertes sur plein de choses, de se dire, je sais toujours pas, mais de dire, tenter l'expérience, c'est important. On a un système qui est fait, et qui est très, pour le coup, européen ou français, qui est de dire, partout ailleurs, on a le droit à laisser erreur. En entreprise, on dit qu'une démarche qualité, c'est faire des erreurs. Mais à l'école, pour l'école, on ne doit jamais se tromper. On ne peut pas se tromper de choix. On ne peut pas redoubler, etc. Hein, c'est cette idée. Une mauvaise note en maths, c'est tout de suite rédhibitoire. Enfin, voilà, c'est parti de ce genre de choses. Et l'idée, non, dans TerraVentura, c'est de dire, oui, l'orientation, la vie en général, il y a un peu de stratégie, puis il y a beaucoup d'opportunités, puis quelquefois, des choses déraisonnables. On sait que les jeunes, aujourd'hui, font beaucoup de césures. Les jeunes abandonnent... Alors, les jeunes sont jeunes très vieux, maintenant, 30-35 ans. On en a autour du plateau. Mais... On n'a pas de quoi vous parler. Mais assez vite, disent, moi, le CDI, j'ai fini. C'est pas un problème d'arrêter un CDI, de changer d'employeur. Il y a aussi les césures au sens du voyage, de faire des coupures. Ce qui est très recommandé, justement, dans certaines nations. Voilà. Et de fait, certains pays. De dire que l'orientation, ça peut être un sujet pas sérieux, c'est très sérieux. C'est-à-dire que c'est aussi faire tomber cette pression. C'est-à-dire qu'on a trois gros problèmes. Il y a les autocensures familiales, enfin, etc. Non, je ne serai jamais médecin, ça va. Tu as vu d'où je viens, ou je ne serai jamais ingénieur. Tu as vu mon niveau en maths. Le deuxième, il est sur ce qu'on dit. Il y a cette pression sur les épaules. On n'est pas tous faits pour la porter. On n'est pas tous équipés pareil. Et le troisième niveau de complexité, c'est la technicité de la société. C'est l'infobésité. Les noms de diplômes, les noms de métiers, ça ne parle plus. Alors, d'un seul coup, pour quelqu'un qui n'est pas dans un milieu qui explique, qui décode, qui lève les autocensures, c'est compliqué cette affaire. Et là, avec la gamification, avec l'idée qu'on peut jouer avec ça, si on ne joue pas avec le feu, on se fait plaisir. Il y a un côté sympa, il y a un côté hasardeux. Et oui, quelquefois, tout n'est pas rationnel, notamment dans les choix. Les choix, il y a une partie d'information. Plus on en a, mieux c'est. Puis après, le choix, c'est renoncer à plein de choses, c'est choisir quelque chose. Il y a un côté facilité aussi grâce à l'application, Aurélie. Côté facilité de trouver son orientation. On facilite parce qu'en fait, on peut être perdu. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on arrive dans ce grand hall, il y a une offre pléthorique. Et là, du coup, on est invité à aller sur tel et tel stand. Et l'orientation, pour rebondir sur ce que disait Christophe, c'est aussi des rencontres. Sophie, elle a appris un nouveau métier aujourd'hui. Je pense que dans ces quelques jours, il y aura plein de personnes qui vont apprendre à connaître des nouveaux métiers. Donc là, ça favorise la rencontre.
sur des métiers vers lesquels on ne serait pas forcément allé. Et du coup, c'est comme ça, c'est pas le hasard. Ils n'ont pas été construits comme ça, ces parcours. Ils ont soigneusement été co-construits entre les équipes du CRT et les équipes de la direction d'orientation. On a un gain en direct, ça y est, elles ont le grade sur l'application. Bravo à eux. Les personnes qui viennent de gagner, qui vont avoir le badge, bravo. C'est vraiment comme je disais, Pékin. On parlait de challenge, hein, justement. Ah oui, c'est coupé, Aurélie. Non, je vous en prie, c'est bien de vivre ça en live, ça fait chaud au cœur. Et donc, voilà, ça favorise la découverte des métiers, parce qu'on va vers des stands vers lesquels on ne serait même pas allé. Si on voit un nom, on ne sait pas ce que ça veut dire, on n'y va pas. Et en plus, ça favorise la rencontre. Et on sait que voilà, l'orientation, ça passe aussi par l'échange avec quelqu'un, avec un pratiquant. Et tous les gens qui sont là, ils ont envie de transmettre, ils ont envie de partager. Et donc, on essaie de favoriser ce lien vers ces personnes qui ont envie de transmettre. Complètement. Christophe. Pour nous, aujourd'hui, c'est une première expérience. Pour voir ce que ça donne quand on sort du seul contexte du tourisme, des loisirs, quand on le fait comme une sorte de vecteur utile pour servir d'autres objectifs. On en a parlé dans les réunions préparatoires avec la directrice générale. L'idée, c'est de dire que peut-être qu'il y a un fil à tirer, et c'est ce qu'on observe, pour notre territoire régional. Il y a effectivement les grands salons, aller voir son CIO, oui. Et s'il y avait des lieux où des gens à rencontrer qui entraient dans Terra Aventura, qui serait un terrain d'aventure, d'aller devant l'orientation. Il y a de très belles entreprises qui font des visites d'entreprises où on peut rencontrer Pierre Otesa dans les Aldudes, dans son entreprise, avec une balade, mais on voit tous les métiers de la salaison. Georges Lin qui fait des confitures dans le Lot-et-Garonne, enfin, etc. On peut tirer un fil qui est de dire finalement c'est à côté de chez soi. On peut jouer peut-être. Et de faire que l'orientation, ce ne soit pas quelque chose où tout d'un seul coup, c'est prise de tête, comme on peut le dire. C'est quelque chose au long cours. Cette idée un peu de vieillissante. En effet, c'est ça, on a l'impression que c'est un sujet, un dossier qu'on va avoir du mal à intégrer. Et dire finalement, pendant l'été, si je faisais mon parcours où je prends quelques points, c'est mon cahier de vacances. Mais j'ai découvert 3 métiers de plus cet été avec les enfants, en famille ou avec mon frère, enfin, peu importe. C'est aussi ça, démocratiser certainement l'orientation, c'est-à-dire lever le plafond de verre sur un certain nombre de personnes qui ne vont pas traverser la Nouvelle-Aquitaine, mais qui ont X entreprises autour de chez eux qui vont leur permettre d'ouvrir les yeux. Donc il y a cette idée à un moment qu'il y a peut-être un fil à tirer. Enfin voilà, ça fait partie de cette idée que la technologie nous permet ce petit chose. Et puis ce que disait madame, c'est... et voilà, il faut, on découvre, on joue, on découvre. C'est assez basique comme sujet. Et en plus, donc, on a amené tout à savoir-faire, la gamification, etc. Et la communauté. Il y a 2,5 millions de joueurs par an. Et ce qui fait que, qui peut-être, Sophie disait tout à l'heure, des collégiens qui ne connaissaient pas Terra Ventura, mais on a su le reste. On a des gens qui sont ici aujourd'hui, qui connaissent, qui sont des joueurs de Terra Ventura et qui ne seraient peut-être pas venus aux Olympiades. Donc il y a les parents qui ont emmené les enfants en disant « Viens, on va faire le parcours ». Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas que les enfants qui emmènent les parents, c'est aussi l'inverse. Bon, on a vu sur les images, ce n'était pas des collégiennes et des collégiens, je crois. Et... donner une mission à leurs enfants de venir faire les parcours pour récupérer le badge, en fait. Ah, mais ah ça, oui, c'est un nouveau challenge, ça. J'adore. Donc, on avait une collégienne qui était un peu en stress parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle me dit, mais ma maman m'a demandé quand même. C'est pire d'avoir une mauvaise note en maths. Exactement. Hein, c'est de pas récupérer le badge. C'est les parents, je bosse aujourd'hui, tu vas pour moi, tu récupères le badge, tu ramènes le badge à la maison. Mais c'est une vraie force d'adaptation, finalement, aussi. Parce qu'on parlait de l'orientation, de ce côté un petit peu où voilà, on y va à reculons sur ce sujet de l'orientation parce qu'on sait que ça va être long, etc. Et c'est une vraie force d'adaptation de pouvoir intégrer une application de ce type-là, aventure, avec ce sujet-là et de montrer qu'il peut être fun aussi. Bah complètement. Puis nous, sur Terra Aventura, aujourd'hui, c'est 100 000 équipes qui jouent chaque année. Donc, on a un vivier qui est assez important. Ils sont très addicts de Terra Aventura. Et du coup, ils viennent, ils nous suivent forcément sur des événements. Donc, on a une pression. Hein. Il faut qu'on réussisse parce qu'il ne faut pas décevoir les Terra Aventuriers. Et du coup, ils adorent parce qu'ici, on leur fait découvrir des métiers un peu insolites. Et c'est ce qu'ils viennent chercher. Donc là, c'est vraiment là-dessus où on va travailler et c'est comme ça qu'on construit les parcours pour justement les surprendre et les amener à choisir un savoir-faire, peut-être un métier. Et puis, ils vont en parler aussi. Ils ont une famille, des amis. Ouais. Et donc, ils parleront des Olympiades derrière en disant « c'était super, c'est génial ». Et on a vu des gens de Poitiers, là, de Niort, du Lot-et-Garonne, de Mont-Marsan qui sont venus nous voir et qui sont venus exprès pour Terra Aventura. Christophe. Sur cet aspect-là, il y a un vrai enjeu. Depuis ce matin, ce qui est dit, c'est que la manière dont la Nouvelle-Aquitaine fait les Olympiades des métiers, c'est qu'elle, progressivement, et j'en parlais avec les équipes encore hier soir tard, on passe d'un concept de concours à un concept de salon des métiers de grande envergure,
démonstratif au-delà du concours. L'image de marque, la connaissance, c'est-à-dire les non-initiés, c'est-à-dire la capacité à aller chercher ceux qui ne le savent pas, etc., c'est un enjeu pour la région. De fait, l'expérience du comité régional du tourisme, votre expérience, madame, sur des stratégies technologiques différentes aujourd'hui, nous permettent de tirer un fil qui est supplémentaire, c'est un fil de plus pour amener les gens, alors c'est pas une logique de vendre notre produit, hein, à utiliser, à être plus utile, plus vu, et puis à un moment de décompliquer, décomplexifier cette histoire de l'orientation. C'est-à-dire, c'est assez simple, regardez les images, faites un jeu, puis à la fin on se pose des questions, on trouve des professionnels pour se poser des questions, mais n'entrons pas par la techno, par le conseiller qui va dire tout de suite des noms de diplômes imprononçables, une école qui est très loin, l'hébergement compliqué. Enfin, très vite, on commence par la liste de courses impossibles. Et l'idée est plutôt de dire, ben, là, avec ce qu'offre, et merci encore au comité régional du tourisme, avec ce qu'offre cette technologie, on a une pénétration, si on prend des termes techniques, un peu plus forte, sur quelque chose de décalé, dans des univers décalés, qui enlève cette image complexe, un peu sombre de l'orientation, et puis qui nous permet d'accéder à des populations qu'on ne toucherait pas en tant qu'institution. Et ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, on va l'observer dans la durée, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est là qu'on peut faire remettre en route un petit peu des carrières inespérées, s'adapter, etc. Et on a justement, on vous a dit, c'est du live, la Web TV, on a la réaction justement des personnes qui viennent de gagner. J'imagine que c'est Stéphane qu'on retrouve sur le terrain potentiellement. Mais oui, regardez, Stéphane, il est toujours au Stéphane. Cœur du sujet. Mais on n'a que des gagnants sur cette image. Eh bien oui, c'est ça, que des vainqueurs, des belles têtes de vainqueurs. Bon, je suis avec une participante à ce jeu TerraVentura. Ça s'est bien passé, vous avez trouvé le fameux QR code. Oui, impeccable. On a répondu à toutes les questions, après avoir fait un tour dans le salon, vu comment ça se passait sur les stands, vu les jeunes faire leur démonstration de chacun dans leur métier. Et à la fin, on a flashé le QR code et on a réussi un parcours. Alors, combien il y a de QR codes à trouver dans le hall d'expo ici? Il y a 5 QR codes à trouver. Et pour l'instant, vous en avez ? On vient juste d'arriver. Ah, vous êtes juste arrivé. Bon, mais très bien. Ben, on va vous souhaiter bon courage pour continuer. Oui ? Sur cette dame, elle a participé 500 fois, c'est ça ? Combien de fois vous avez participé à des jeux? Quasiment 500 fois. Elle connaît très bien TerraVentura. TerraVentura, je le fais très souvent. Je suis à 592 parcours. Par contre, c'est la première fois qu'on va dans un salon. Et c'est très intéressant. Stéphane, c'est ta nouvelle coach. C'est ça, tu imagines plus de 500 participations à ces jeux et donc pour la première fois, donc d'habitude ça se passe en ville par exemple ou dans la nature. Nature ou ville, c'est des petits circuits de randonnée qu'on fait et on répond à des questions, on voit des choses qui sont assez extraordinaires. Il y a des choses qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas TerraVentura. Ok, mais très bien, on va vous souhaiter une bonne chasse. Vous avez deux équipières avec vous? Oui. Vous jouez avec elles, pas contre elles? Non, on joue ensemble. Et on rencontre même d'autres équipes, et si quelqu'un est bloqué, ben on va le débloquer, on va l'aider. D'accord, c'est pas vous qui avez mis le croc en jambe tout à l'heure, qui a fait tomber une personne qui cherchait justement le QR code? Non, quand même pas, je suis pas capable. Non, ça c'est toi Stéphane qui ferait ça. Ça Stéphane, on te connaît, on sait que ça vient de toi. C'est toi qui serais capable de faire ça Stéphane. Absolument pas, je ne collectionne pas les badges les amis. Effectivement, merci beaucoup Stéphane. Et nous on merci. En a pour merci toi beaucoup. Stéphane. Exactement, on garde des badges pour toi. C'est chouette tout ça, ça fait combien de temps que ça existe TerraVentura? Parce qu'on le voit depuis plus de 500 éditions. Ça fait 10 ans. Un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. Depuis plus de 10 ans, et ça représente combien de parcours au total? Est-ce que ça représente 592 En fait, en vrai, il y en a 550 d'actifs en ce moment. Ouais. Mais c'est des gens qui ont fait des parcours qui n'existent plus en fait aussi. Parce qu'on a des badges éphémères, on a des parcours éphémères qui durent que 3 semaines. Comme les Olympiades finalement. Comme les Olympiades. Ça va être éphémère. Exactement. Et du coup, on a des gens comme Oural 87, qui est Very Important Person dans TerraVentura, et qui nous aide et qui va donner des coups de main en fait aux sages que nous sommes, et aussi à d'autres joueurs. Et c'est une communauté, hein, donc ils sont les influenceurs de TerraVentura. Ouais, carrément, c'est ça. C'est des influenceurs. Christophe, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce que madame, enfin extraordinaire, hein, c'est ce qu'on souhaitait. Donc merci, le cadeau en direct. Stéphane, souvent c'est moyen, mais là c'était bien. Non, plus sérieusement, il faut savoir que la question de l'orientation, quand on a encore fait une expérimentation avec 400 collégiens au semestre de l'année dernière, 51% s'appuient uniquement sur l'environnement familial pour s'orienter. Que madame soit impliquée, avec les pastifs, etc., qu'elle découvre le salon, mais oui, c'est hyper important. Parce qu'on vise, bien sûr, les jeunes, mais les jeunes s'appuient. Alors, quand c'est Internet, YouTube, 81%,
pour 91% pour aller faire une recherche, c'est jamais le moteur de recherche Google, c'est YouTube. C'est vrai. C'est tout en images. Et sur la question de l'orientation, du choix et de la personne ressource de confiance, 51%, c'est à la maison. Et donc, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de... On est au cœur de la société. Hein, c'est choisir son métier, choisir sa vie, le lieu où on vit. Et puis, le regard de sa famille, des siens, sur soi, ça compte. Si on fait un métier qui n'est pas valorisé par les siens, c'est quelque chose qu'on vivra mal. Donc là, c'est important que... Enfin, madame, moi, voilà, ça me va bien. Chapeau. C'est chouette. Du coup, de parents qui nous disaient « Bah mince, nos enfants sont à l'école, on ne comprend pas pourquoi le collège ne les amène pas ici. » Et en fait, je pense que ça va remonter puisque nous, on leur a donné pour mission d'en informer les collèges et de faire remonter ça pour que l'année prochaine, dans deux ans, je crois, hein, c'est tous les deux ans, tous les deux ans, ils oui. puissent du coup venir directement. Et il y a vraiment pas mal de parents et de familles là qui nous, ou de grands-parents qui nous disaient, mais vraiment c'est super, on va en parler en famille et on reviendra dans deux ans avec nos petits-enfants. Quoi. On parlait beau. Justement, hein, ça fait 10 ans que Terra Ventura est présent. On a un petit film d'ailleurs à montrer. J'espère qu'on va voir justement la personne qu'on vient de peut-être la retrouver dans les images. C'est vrai. On vous laisse lancer et regarder, découvrir ce film des 10 ans. On a découvert belle vidéo pour les 10 ans de Terra Aventura. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Terra Aventura. peut-être Sophie, un mot de la fin pour conclure. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il y a des personnes qui nous regardent. Déjà, pour celles et ceux qui nous regardent, on est là jusqu'à samedi. Donc venez, hein, vous avez la possibilité de récupérer. C'est celui-là qu'on gagne ou c'est l'autre? C'est celui-ci? Ouais, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est un badge rouge. Si vous voulez l'ajouter, vous venez d'ici samedi. C'est obligatoire. Il faut venir en fait parce que c'est une très belle expérience. Et franchement, mêler Terra Aventura aux Olympiades des métiers, c'était ce qui pouvait de mieux nous arriver en fait en cette fin d'année. Donc on est très contents d'être là. Et puis vraiment, d'avoir ces Terra Aventuriers, je vois des badges là, des sacs à dos pleins qui circulent. Et puis des collégiens c'est marrant qui s'intéressent au métier. C'est marrant parler justement en voyant les badges. Ouais, bah, ouais, ça crée du lien aussi. Et en fait, ce qui est génial surtout, enfin moi ce que je trouve vraiment génial, c'est que des collégiens ont pu trouver leur orientation grâce à Terra Aventura et aux Olympiades. Franchement, c'est un super cadeau. Aurélie, Paris gagné? Paris gagné. Dès le premier jour, Paris gagné, dès le premier jour. C'est bien lancé. C'était un gros défi parce que ça paraît très simple. On dit que c'est facile, que c'est magique, mais il y a quand même un gros, gros travail derrière. Et je remercie Sophie et toute son équipe et l'équipe de Christophe, à commencer par Damien, voilà, qu'on a mené une belle collaboration. Et effectivement, moi, je suis très heureuse. Je voudrais remercier la région, en fait, sa confiance. On est le CRT, c'est une agence de la région, donc on est habitué évidemment à travailler main dans la main. Mais ça, c'est quand même un partenariat inédit, innovant, voilà, risqué, parce qu'on l'a fait en un temps record. Donc, audacieux. Oui. Audacieux. On a eu pas mal de défis à relever. Donc on verra à la fin du week-end, mais ça s'annonce déjà très bien. Et surtout, Christophe l'a dit, mais ça nous ouvre des portes. Ça nous ouvre des portes. On est sur le tourisme, le loisir, mais le champ du savoir-faire est tout proche. C'est de la prestation touristique par la visite et la découverte.
ça contribue à son orientation. Donc on voit qu'on a peut-être là une voie à poursuivre pour être encore au rendez-vous à la fois la découverte touristique et de l'orientation. Complètement. Christophe, justement, cette adaptation avec cette application. Oui, comme vous, je vais bien sûr remercier. Et on n'est qu'au début. On va en plus mesurer les résultats, enfin voir tout ça. Mais déjà que ça a eu lieu, que ça fonctionne. Et madame, quoi. Voilà, ça y est. Ça et les sacs à dos. Ça veut dire que ça marche. Mais dans les perspectives, oui, moi, je veux vraiment. C'est la veine qu'on a envie de tirer. Travailler avec les usagers pour voir comment on peut faire le mieux, le plus simple possible et le plus honnêtement possible. L'orientation, il y a une phrase qui est importante, c'est qu'il faut réussir son orientation et être libre de choisir, oui, mais il faut le faire en connaissance de cause. Et on n'a pas tous le même niveau de connaissance. C'est compliqué d'avoir le niveau d'information suffisant pour faire des bons choix. Je pense que là, on tire des fils qui sont intéressants pour voir comment on peut apporter de la connaissance simple, rapidement, utile et en phase avec ce qui se passe autour de soi. Donc voilà, il y a un enjeu, il y a un co-travail. En tout cas, merci pour ce travail aux équipes et puis aux chevilles ouvrières. Hein. Madame est autour de la table, donc merci à vous. Merci Christophe. On vous retrouve demain ou pas, Christophe ? Oui, je vais voir si on verra. on verra si vous êtes sage. Et nocturne. Voilà, exactement. On va peut-être retrouver Stéphane. Parce que donc on arrive à la fin de cette première journée d'Ouest TV. Stéphane, quand même, il va nous dire au revoir. Stéphane, est-ce qu'il va nous dire au revoir ? Est-ce que tu nous entends, Stéphane ? Oh là oh là là là. Stéphane. Et magnifique Stéphane. Stéphane, il est prêt à partir. Il est prêt à rentrer à l'hôtel. Oh, excusez-moi, je file un petit coup de main du côté de l'aménagement urbain et réseau de canalisation. C'est un travail de précision avec un gros engin. Et donc, ils m'ont demandé de venir les aider. Bon. Les copains, on a fini la journée, mais on se retrouve demain. Mais bien sûr. Exactement, Stéphane. Merci, Stéphane. Et demain, tu continueras à nous faire rêver, à nous emmener sur tous les stands. Exactement. Ah, oui. 9h pétante, hein, Stéphane. Exactement. 9h pétante, on sera là. Et moi, j'en ai encore pour un petit quart d'heure à finir le chantier, filer un coup de main là, aux professionnels qui préparent les Olympiades. T'as vraiment le cœur sur la main, Stéphane, toi. T'es une patte. Ouais. Hein. Après, tu sais que conducteur de pelle, c'est bien payé aussi. Ça vaut le coup. Hein. Ah ouais, d'accord. Okay. On voit un peu d'où vient l'intérêt. Quoi. Mais allez, on verra merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Merci, merci, à toi, merci Théo, merci Sophie, merci Aurélie, merci Christophe d'avoir été avec nous pour ce dernier plateau de la journée. On est là encore 2 jours, rendez-vous demain. Hein. À 9h et à 9h, dès 9h, on parlera de préparation physique des Olympiades parce que c'est important, on les voit comme ça. Mais ça en demande beaucoup, ça demande de l'énergie et pour faire une compétition, il faut être préparé physiquement. Et il y a plein de métiers là et on les voit quand même, il y a les gouttes qui coulent, hein. Ils ne sont pas là pour déconner. Hein. Plein de conseils à récupérer demain, encore plein de découvertes, on va vous faire découvrir plein de pôles, plein de métiers, plein d'invités, des surprises, toujours de la bonne humeur et puis le plaisir de vous retrouver. Exactement. À demain, bonne soirée.